3 jours où on est marqué de avantage full pour votre minute avantage. Aujourd'hui, on va regarder la caméra de recul dans les véhicules. Donc ici, je vais aller mettre mon véhicule à reculons. Une fois le reculon activé, je vais avoir dans le fond ma caméra de recul. Lorsqu'on tourne le volant, vous allez regarder, observer que ça va vous donner une trace du chemin que ça vous allez parcourir avec le véhicule. Donc selon l'intensité du volant, ça devient vraiment facile de savoir où le véhicule s'enligne. En plus de ça, vous allez voir la ligne dans le milieu. Ça veut dire que vous avez un guide pour votre remorquage. Donc dans les véhicules qui sont équipés d'un kit de remorquage, ça devient extrêmement facile de détecter où on doit placer le véhicule pour s'enligner avec notre remorque à l'arrière. De plus, dans certains véhicules, vous allez avoir des caméras à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Dans ce véhicule-ci, je vais avoir une caméra à l'avant. Donc on peut voir ici, là, en ce moment, j'ai une caméra à l'arrière 180 degrés, puisque je suis en reculons. On peut voir vraiment 180 degrés d'un bord à l'autre du véhicule. Si je me mets en stationnement, je vais aller chercher ma caméra à l'avant. Une caméra normale, une caméra 180 degrés. Lorsqu'on doit sortir d'un stationnement, c'est vraiment pratique d'avoir ce genre de petit outil-là, puisque ça nous permet de voir au-delà d'un coin du mur. Si vous appréciez ces minutes, on apprécie très bien que vous nous donniez un like. Abonnez-vous à notre page YouTube. Laissez-nous savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir prochainement. Et je vous remercie. Bonne journée.